Je lance juste l'enregistrement. Je pense que c'est tout bon. Donc, merci d'être là à cette formation qui, je l'espère, vous apportera plein de petites choses pour développer votre Instagram. Comme je le disais, Instagram, maintenant, c'est un outil qu'il faut développer maintenant parce que moi, j'ai fait quand même pas mal de formations sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça. Et en fait, ce qui ressort de toutes ces formations, c'est que justement Instagram va devenir le réseau social le plus important. Donc on est d'accord que Facebook et Instagram, ce sont deux choses différentes. Facebook, vous pouvez faire des lives, vous pouvez partager tout ce que vous voulez, des liens, vraiment plein de choses. Instagram, c'est vraiment basé sur l'image, donc les photos et les vidéos. Il faut savoir que dans quelques années, le support qui aura le plus d'impact, et notamment dans nos business, puisque nous, on travaille vraiment en grande partie sur les réseaux sociaux, la chose importante, et ce qu'il faut que vous rentrez, enfin que ça rentre vraiment dans vos têtes, c'est que maintenant, il faut travailler pour le futur. Donc, et dans le futur, ce qui va fonctionner, et ça, je l'ai appris dans toutes les formations que j'ai pu faire, c'est tout ce qui est animé. C'est-à-dire qu'une image, ça ne suffira plus pour faire passer un message. Et nous, on était vraiment là-dedans et on est encore là-dedans. Maintenant, il faut que ce soit animé. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez regarder les grandes entreprises et tout ça. Ils utilisent beaucoup des vidéos très courtes, des boomerangs, des choses comme ça pour vraiment développer leur business et faire passer des messages. Donc, n'oubliez pas que dans quelques années, il n'y aura que de la vidéo courte pour faire passer un message. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est un truc qu'on m'a toujours dit en formation. Coucou tout le monde ! Qu'on m'a toujours dit en formation et que je n'oublie jamais. OK ? Donc Instagram, avec Instagram, vous avez beaucoup d'outils pour justement utiliser. Il faut les utiliser au maximum. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Je ne vais pas rentrer dans des trucs hyper complexes et tout ça. Parce que je sais que la plupart des personnes, notamment mon équipe, elles ne sont pas encore hyper à l'aise avec Instagram. Donc là, on va voir vraiment les bases d'Instagram, ce qu'il faut savoir, les choses, vraiment les essentiels, OK ? Et essayer de les mettre en place au plus vite. Il faut commencer léger, il ne faut pas vous mettre des objectifs de fou. Le but, ce n'est pas d'avoir tout de suite 10 000 personnes qui vous suivent. Mettez toujours des objectifs qui sont atteignables, OK ? C'est important. Vous mettez, vous notez en haut de votre page le nombre d'abonnés que vous avez. Et le but, c'est de développer ça, de développer votre audience. Et plus vous allez être constante et plus voilà, vous allez faire un peu ce que je vais vous apprendre ce soir, plus ça va se développer. Mais ça peut mettre du temps, ça peut mettre beaucoup de temps. Il y a des personnes, c'est sûr, qui ont beaucoup d'abonnés et tout ça, mais il y en a, elles y sont depuis le lancement d'Instagram. Donc après, il ne faut pas vous comparer aux autres comptes. Ça, c'est important. Il ne faut jamais vous comparer à un autre compte. Okay ? C'est votre compte, c'est votre identité. Et c'est important de garder ça en tête. Pourquoi il se met en route, lui ? Donc, Instagram. Ce qui est important, c'est lorsque quelqu'un se rend sur votre profil Instagram, la première chose qu'il va voir, c'est la globalité de votre Instagram. Okay ? C'est le feed. On appelle ça le feed. C'est vraiment comme sur Facebook, c'est le journal en fait, OK ? Donc ça, ce qui est important, sachez que quand quelqu'un va sur votre Instagram, ce qu'il regarde en fait du premier coup d'œil, ça va être la globalité de votre page. Je vais prendre mon Insta, comme ça je vais vous montrer deux, trois trucs. Alors moi, je ne suis pas non plus la professionnelle d'Instagram, attention, je ne me considère pas du tout comme ça. Mais en tout cas, je prends plaisir à travailler sur Instagram. Et ça, pour que ça fonctionne, et que vous ayez aussi des gens qui vous suivent et tout ça, il faut être vous-même authentique, naturel. Soyez vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous partagez tout sur Instagram. Vous pouvez partager, après c'est vous qui gérez. Vous pouvez partager votre vie de maman, votre vie avec Unique, vos voyages, plein de choses. Vous pouvez vraiment absolument partager tout, mais il faut choisir ce que vous avez envie de partager et ne pas trop s'éparpiller. Si vous aimez la cuisine, faites un Instagram sur la cuisine et Unique, puisque nous, on est chez Unique. Vous avez peut-être d'autres passions. Si vous faites de la musique, écrivez sur votre page qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez avec passion. Vous écrivez vos mots-clés.
Si vous aimez le piano, vous mettez piano et Unique, parce que là, forcément, je fais une formation pour Unique. Mais ça peut être plein de choses. Si vous êtes maman et vous avez envie de partager votre vie de maman, voilà. Moi, par exemple, donc j'ai mon profil Instagram, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Allez jeter un coup d'œil à mon profil, peut-être que ça pourra vous aider. Je ne vous demande pas de vous abonner, mais regardez. Moi, par exemple, sur mon Instagram, donc j'ai ma photo. Donc la photo, il faut toujours qu'elle soit professionnelle. Vous pouvez rajouter un filtre pour que les couleurs ressortent plus. Mais la photo de profil est très importante parce que c'est l'accroche. C'est comme la photo de Facebook finalement. Okay ? Ensuite, vous allez mettre votre pseudo ou votre nom, votre prénom. Vous choisissez ce que vous voulez. Je vais vraiment faire... voilà, je vais essayer de rentrer, de pas m'éparpiller, ce qui est compliqué pour moi, mais je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc, votre photo de profil est très importante. Vous pouvez mettre un filtre. Utilisez les filtres Instagram au maximum. Ils sont super bien. Et plus vous allez utiliser les outils Instagram, plus ils vont voir que voilà, vous l'utilisez l'application vraiment à fond. Et c'est ça aussi qui va vous donner de la visibilité. Plus vous allez utiliser les outils qu'il y a dans Instagram, et plus vous aurez de la visibilité, et plus ça va vous donner un bon algorithme. Okay ? Donc la photo, les filtres, vous faites quelque chose, utilisez un bon appareil photo. Donc maintenant, on a la chance d'avoir des bons téléphones où on fait des belles photos. Essayez d'utiliser la caméra arrière de votre téléphone. Vous avez une meilleure qualité photo. Donc, je sais que c'est un peu compliqué au début de faire des photos à l'arrière, mais on prend le coup de main. Ça, c'est important. En selfie, la qualité est moins bonne quand même. Mettez un filtre. Voilà, la photo, c'est l'accroche. OK ? Donc, une belle photo qui vous représente bien. Ensuite, le pseudo. Vous pouvez choisir un pseudo. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom ou prénom. Mais ce pseudo, il faut que vos clientes le connaissent. Il faut que les gens vous connaissent déjà sur ce pseudo. Ou vous pouvez en inventer un si vous commencez, il n'y a pas de souci. Mais ce pseudo ou votre nom, moi j'ai mis mon nom prénom parce que les gens me connaissent sous Jenny Morbois. Mais parce que j'ai toujours mis Jenny Morbois finalement, donc je ne vais pas m'amuser à changer maintenant. Si les gens vous connaissent par votre prénom, votre nom de famille et tout ça, si vous avez un pseudo, vous pouvez. Mais ne le changez pas. Quand vous le mettez sur Instagram, après vous le gardez tout le temps. Parce que le fait de changer de pseudo ou de nom, vous allez perdre en algorithme et ça va vous faire descendre au niveau des vues. Donc, ce n'est pas comme Facebook. Là, il ne faut pas changer de nom, prénom. Ensuite, vous pouvez mettre un mot-clé derrière. Moi, j'ai mis Jenny Morbois. J'ai mis une petite étoile en smiley. Vous pouvez utiliser des smileys. C'est sympa, ça attire l'œil. Et moi, j'ai mis maquillage derrière. Parce que c'est vraiment le... Voilà, c'est ce que je partage le plus sur mon Insta. J'ai mis make-up artiste, networker, influenceur. Après, j'ai mis la beauté, les voyages, la mode, parce que j'aime ça, c'est ce que j'aime. J'ai mis que j'étais maman. J'ai mis tatou, bah, vous savez pourquoi, parce que j'adore les tatouages et puis je suis assez tatouée. Voilà, vous mettez des trucs comme ça. OK ? Ensuite, petite astuce. Et ça, je l'ai vu. Alors, attendez, je regarde mon message. Moi, Unique, le sport, le shopping. Super, Justine. C'est très bien. Les enfants, mon chien. Mais voilà, vous voyez, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées, les filles. De toute façon, on aime toutes quelque chose. Donc forcément, bon là, on est en conférence Unique. Donc forcément, notre passion, c'est le maquillage, c'est Unique et tout ça. Mais il n'y a pas que Unique dans nos vies. Il y a autre chose. Et n'hésitez pas à partager ça parce que les gens, si vous partagez que du Unique toute la journée, enfin, il y en a, ils vont être là pour ça. Ça va leur plaire. Mais essayez d'avoir au minimum, allez, 2-3 centres d'intérêt où vous mettez l'accent dessus. Et puis en plus, ça évite de vous éparpiller. OK ? Ensuite, petite astuce. Il y a un site qui s'appelle Linktree. Donc, je vais vous le mettre, je vais vous l'écrire parce que mon accent de merde. Je vais vous le noter en commentaire de la conversation. Donc, c'est Linktree. Donc, L-I-N-K-T-R. L-I-N-K-T-R. De. Vous allez sur ce site et. Ah, attendez, est-ce qu'il me l'a mis? Ah non, mais pourquoi il m'a mis ça ? Au monde, voilà. Vous allez sur ce site, et ce site, vous allez pouvoir mettre tous vos liens. Au lieu de mettre 50 000 liens sur votre bio, ce qui n'a aucun intérêt, votre bio, c'est vous, vous allez pouvoir les mettre, ces liens, sur tout le Linktree. Donc, vous allez pouvoir mettre votre lien de boutique, votre lien de parrainage, votre lien de Facebook, votre lien de votre chaîne YouTube, si vous en avez une. Votre lien, par exemple, je ne sais pas, si vous avez des passions, vous avez peut-être d'autres liens à partager, vous allez pouvoir mettre tous ces liens. Donc, moi, on ne voit rien du tout. Ah, si, peut-être qu'on voit, mais ça l'envers. Donc, moi, j'ai mis mes liens dans ma bio avec la petite flèche du bas et en dessous, et j'ai rajouté le lien de mon Linktree.
OK, au lieu de mettre mon site internet, comme ça, la personne, quand elle clique, je vais vous montrer, elle va tomber direct sur ça. Et là, vous avez donc toujours ma photo, la même photo. Comme ça, c'est bien, ça fait un rappel. Ma boutique unique, rejoins mon équipe, ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon dressing Vinted. Bah oui, parce que je vous avais dit, j'aime la mode. Du coup, je communique sur Vinted et j'ai mis aussi mon dressing Vinted. Vous voyez, c'est des trucs et vous pouvez, il y a plein d'autres choses à partager. Il y a plein de trucs à partager. Donc, n'hésitez pas à faire ça. J'ai mis le. Ouais, ça c'est top parce que ça rassemble tous les liens et les gens, ils cliquent dessus, ils voient tout, c'est impeccable. C'est vraiment super bien ce site. OK? Ensuite. Donc là, c'est vraiment, il faut être le plus précis possible et il faut partager vos passions et il faut que vous créez vous-même votre propre univers. Et ça, c'est hyper important avec Instagram. En fait, vous allez créer votre histoire. C'est comme si on vous demandait de faire un livre photo sur votre vie et de partager vraiment les choses qui sont importantes pour vous, vos passions et les choses qui sont importantes pour vous et que vous deviez en choisir les trois maximum. Okay? Il faut rester sur cette ligne de conduite. C'est important parce que les gens, ils vont s'abonner pour ce que vous partagez. Donc, si vous partez trop dans tous les sens, voilà. Après, ça ne vous empêche pas de partager d'autres choses de temps en temps. Mais en tout cas, ce que vous allez poster sur votre feed, sur votre journal, c'est important de rester là-dessus. Okay? Il faut être le plus précis possible. Donc, la biographie, c'est très important. La photo de profil, ça, c'est hyper important. Ce que je disais aussi, il faut être hyper authentique, mais ça, de toute façon, on le sait, il y en a certaines qui sont là chez Unique depuis longtemps. Mais pour les nouvelles, parce qu'il y a des nouvelles, je sais qu'il y a des nouvelles, Grégory, elle rigole, elle vient d'arriver dans l'équipe. C'est important de repartir sur des bonnes bases. Donc, si vous avez un profil Insta en soi, là, actuellement, qui ne vous plaît pas du tout, avec des vieilles photos et tout ça, vous pouvez tout enlever et repartir de zéro. Hein. Et ça n'empêche rien, ça ne va pas vous retirer vos abonnés. Mais en tout cas, repartez sur des bonnes bases et d'avoir un bon feed. L'important, c'est que quand on regarde votre profil sur Insta, bah, c'est impactant, il y a de la couleur. Enfin, voilà. Ça dépend ce que vous voulez faire. Okay? Et soyez authentique, spontané et tout ça. Ça, c'est valable beaucoup pour les stories parce que c'est du direct. Donc voilà. N'hésitez pas à vous inspirer d'autres Instagram, de personnes que vous suivez, que vous aimez en fait. Ça peut être en dehors de Unique, bien évidemment, mais inspirez-vous. Quand je dis inspirez-vous, c'est pas copier ce que fait la personne, bien évidemment, on le fait tout. Parce que vous avez votre propre identité, mais en tout cas, inspirez-vous. Regardez ce qu'ils font en photo, regardez ce qu'ils partagent en story. N'hésitez pas à vous inspirer et regarder. Il faut être curieuse et regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Restez fidèle à vous-même et à votre univers. Bien évidemment, on ne copie pas, mais ça paraît logique. Soyez authentique. Donc vraiment la première chose qui est importante, c'est de publier ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Ensuite, essayez de trouver, alors ça c'est pas toujours facile, mais essayez de vous différencier. Ça c'est important parce que les gens ils adorent la différence. Donc voilà, essayez de développer votre différence et tout ça. J'ai une petite question. Comment faire des écritures spéciales sur la bio comme ton étoile et ton nom? Alors, très bonne question. Vous avez, alors ça, n'hésitez pas aussi à regarder sur Google, YouTube. Vous avez plein de formations sur Instagram. Et moi, j'ai appris comme ça. C'est vrai que j'ai appris beaucoup en autodidacte, en cherchant de moi-même sur Google et YouTube. Pour faire ma bio, j'ai appris toute seule sur Google. J'ai tapé bio, faire ma bio Instagram et je suis tombée sur plein de tutos. Et là, vous allez trouver des pépites. Mais vraiment. Soyez curieuse, regardez, regardez à fond. Et pour répondre à ta question, Grégorine, pour les caractères spéciaux, les polices un peu spéciales et tout ça, vous pouvez trouver ça, vous tapez sur Google, bio Instagram police d'écriture et vous allez tomber sur des tutos qui expliquent. Et moi, je vous conseille, petit conseil, pour faire votre bio, faites-le d'un ordinateur portable si vous avez la possibilité. Parce que c'est beaucoup plus simple que sur un téléphone. En tout cas, pour faire les paramètres de votre Instagram, faites-les sur PC si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire quand même sur votre téléphone, mais c'est beaucoup plus simple. Si effectivement vous avez envie de faire une bio avec des polices d'écriture, avec des smileys et tout ça, et ben vous verrez que c'est quand même beaucoup plus simple à faire sur PC. Mais c'est quand même faisable de son téléphone ou de sa tablette, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question.
Et restez cohérent dans tout ce que vous partagez. Comme je disais tout à l'heure, on évite de, voilà, de partir dans tous les sens, mais ça, c'est un peu logique aussi. Là, je vais parler maintenant de votre feed. Donc, de votre feed, c'est hyper important que ça soit cohérent, que ce soit harmonieux. Alors, la première chose à faire, c'est que vos photos elles soient de bonne qualité. Vous n'allez pas pouvoir poster des photos qui sont... attendez, je mets muet pour tout le monde. Excusez-moi, parce que j'entends des petits bruits. Vous n'allez pas pouvoir poster des photos floues où on ne voit pas grand-chose et tout ça. Et puis, alors nous, on a encore plus parce qu'on est dans le maquillage, donc il faut que ce soit quand même précis. Mais en tout cas, du moins avec Instagram, vous pouvez jouer avec les couleurs et les filtres. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous postez une photo sur Instagram, vous avez des filtres qui vous sont proposés. OK ? Alors là, ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver le filtre qui vous plaît, qui vous correspond, qui vous convient, et vous restez toujours avec celui-là. D'accord ? Toujours, toujours. Ne vous amusez pas à changer de filtre chaque semaine, parce que du coup, votre feed, il ne sera pas cohérent. Mais en gardant le même filtre à peu près, moi, je sais que je joue vachement sur mes cheveux. J'essaye de choisir des filtres qui font ressortir le maximum mes cheveux. Et du coup, quand on voit mon Insta, ce qui ressort le plus, c'est mes cheveux. Mais vous, ça peut être autre chose, en fait. Mais jouez, essayez de garder toujours le même filtre Insta que vous choisissez. Comme ça, ça va vous faire une identité visuelle. Sur Instagram, on parle beaucoup d'identité visuelle. Parce que quand quelqu'un se rend sur votre profil Insta, la première chose qu'il va regarder, enfin qu'il va voir du moins, c'est même pas regarder, c'est qu'il va voir instantanément, ça va être vraiment les couleurs et tout ça. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs, que ça ressorte le mieux possible. Un beau feed, c'est ça. Un beau feed harmonieux, c'est les couleurs sont assez similaires, ça ressort bien. Et voilà. Vous savez que vous pouvez faire... je ne sais pas si vous regardez un peu. Moi, j'essaie de regarder un peu de différents types d'Instagram. Et il y a des personnes qui, par exemple, ont choisi un filtre avec des logiciels plus professionnels, par exemple en gold rose. Vous savez, donc du coup, ça ressort vraiment doré, rosé. Ou il y en a qui ont choisi une couleur avec du bleu dedans. Donc quand on voit le feed, c'est vraiment très bleuté, tout ça, c'est vraiment des couleurs froides. Il faut, et comme ça, ça crée vraiment une harmonie de couleurs et c'est plutôt, à l'œil, c'est très joli et c'est ça. Instagram, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est l'identité visuelle. Et ce qu'on retient, c'est vraiment la première chose qu'on voit, c'est votre. Ce qui ressort, c'est les couleurs et tout ça. Donc n'hésitez pas à jouer. Je vais vous montrer d'ailleurs avec les couleurs. Quand vous postez une photo, donc vous avez des filtres, on fait suivant. Non, ça ne marche pas parce que celle-là, je l'avais déjà fait. Attendez, je vais essayer de trouver quelque chose pour vous montrer. Voilà. Hop. Quand vous êtes. Il y en a plein qui me taguent sur Instagram. Merci les filles, au moins elles fonctionnent. Hein. Je reçois plein de notifs. Donc là, c'est ma photo. Vous ne voyez pas très bien. Vous faites suivant. Et là, vous avez plein de filtres. Vous choisissez le filtre que vous voulez. OK. Donc moi, j'ai mon filtre que j'aime bien. Et là, vous avez modifié. Donc, vous ne voyez pas très bien. Mais en bas, vous avez modifié. Et là, vous pouvez encore modifier avec le filtre. Et par exemple, saturation. Moi, c'est un filtre que j'utilise beaucoup parce que ça fait ressortir les couleurs. Et moi, je le mets à mes niveaux qui me plaisent. Vous avez la luminosité, le contraste. Vous pouvez gérer tout ça. Et vous notez vos paramètres. Et comme ça, vous faites toujours les mêmes paramètres. Comme ça, votre feed, il est exactement pareil et c'est hyper harmonieux. Mais ça, c'est propre à vous. C'est vous qui décidez. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les outils d'Instagram parce qu'il y en a énormément. J'en découvre tous les jours à chaque fois. Mais n'hésitez pas à les utiliser. Vraiment, c'est hyper important. Donc les photos, vidéos, il faut que ce soit de bonne qualité. N'hésitez pas à les retoucher, vraiment. Ensuite, quand vous publiez une photo, donc vous pouvez mettre une petite phrase d'accroche sur la photo, qui soit en rapport avec la photo, forcément. Et il y a l'histoire des hashtags. Donc les hashtags sont importants sur Instagram, puisque vous savez, on clique sur le hashtag, donc vous mettez le signe hashtag et vous collez le mot direct derrière, OK ? Pour que ce soit surligné. C'est important, parce que si vous faites un espace entre deux, le hashtag n'existe pas. Donc, vous mettez le signe hashtag et vous collez derrière le mot-clé. Les mots-clés, il faut vraiment maximum 30 mots-clés. C'est ce qu'il conseille. Et il faut que ce soit en rapport avec votre photo.
OK? Donc, si vous mettez une photo de make-up, eh ben, vous mettez hashtag make-up, hashtag maquillage, hashtag unique, hashtag... Il y a plein de trucs que vous pouvez rajouter, hashtag eyeliner, hashtag mascara, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, par exemple, je ne sais pas, moi, sur votre photo, c'est une photo de make-up, mais vous avez mis un haut kukai, n'hésitez pas à mettre hashtag kukai et vous l'écrivez dans votre bio. En fait, il faut faire un lien avec beaucoup de choses. OK ? Il faut faire un lien avec beaucoup de choses. Même sur votre photo Instagram, vous pouvez taguer, identifier des personnes. Donc, je ne sais pas, moi, je pars encore sur mon truc de j'ai mis un haut kukai. Vous pouvez identifier kukai dessus, sur la photo. Comme ça, ça donne quand même de la visibilité. Il faut utiliser au maximum. C'est hyper important. Vraiment. Au maximum, vous taguez unique, vous taguez plein de choses, vous faites au maximum. Les hashtags, il faut en mettre maximum 30 en rapport avec votre photo et essayer de trouver des hashtags différents à chaque fois et pas toujours les mêmes. Et voilà. Il y a des applications qui existent pour trouver des hashtags. Je vais vous les donner. Je ne sais même plus si je l'ai parce que moi, du coup, maintenant mes hashtags, je les connais par cœur, mais c'est bien de les changer de temps en temps. Ce que vous pouvez faire. Il y a des applications, alors ça dépend iPhone, Android et tout ça, mais vous tapez hashtag dans le Play Store ou dans iPhone, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ça va vous sortir des applications pour trouver des hashtags suivant ce que vous faites. Si vous tapez maquillage, ça va vous sortir plein de hashtags concernant le maquillage. Ou sur Google, vous tapez hashtag maquillage, ça va vous en sortir. N'hésitez pas à les utiliser, à changer de temps en temps. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram aux hashtags qui vous intéressent. On peut s'abonner, par exemple, si je mets dans Instagram, je mets hashtag maquillage, bon, moi, je suis déjà abonnée. Au lieu de chercher une personne, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez personne, hashtag et lieu. Et là, vous allez, hop, vous alliez dans hashtag ici, tac. Et là, vous allez pouvoir mettre hashtag maquillage. Et vous vous abonnez à ce hashtag. Et là, vous allez voir, vous allez tomber sur toutes les publications où les personnes ont écrit hashtag maquillage. Et les premières... Donc là, par exemple, j'ai mis les dons. Rien à voir. Hein. Je suis tombée sur smile. OK ? J'ai mis hashtag smile. Donc, je tombe sur pente de sourire. OK ? Et vous mettez récente ici et vous allez tomber sur les publications les plus récentes. Et n'hésitez pas à regarder ce qu'ils ont mis, eux, comme hashtag. Ça va vous donner des idées pour les publications. Ceux qui ont le plus de j'aime, vous regardez ce qu'ils ont mis comme hashtag. Vous les notez dans votre bloc-notes ou sur votre feuille, et comme ça, vous les utilisez. Et vous essayez de changer de temps en temps. Il faut essayer d'utiliser les hashtags sur les publications où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de j'aime. OK ? Ou en tout cas, les gros comptes. Les gros comptes. Ensuite, comme Facebook, l'important... Alors, attendez, je regarde parler de son look. Oui, tout à fait. Ouais, après, c'est maximum 30, Manuela. Hein. Mais tu peux en mettre que 5. Hein. C'est max 30. Moi, j'en mets pas 30. Hein. Relou, mais vraiment il faut en mettre maximum 30, plutôt anglais ou français ou 50-50. Moi je fais 50-50 parce qu'il faut utiliser aussi des hashtags en anglais, ça donne de la visibilité. Moi je fais 50-50. Oui, tu es rassurée, Manuela, t'inquiète pas. Instagram Pro, c'est en public, je pense. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah ! Alors, oui. Alors, ça, pour... J'avais pas vu la question, excuse-moi. Effectivement, alors Instagram, vous pouvez choisir soit pro, soit perso. Moi, je me suis mis en quoi ? Je me suis mis en pro. Franchement, quand j'étais en perso, j'ai pas vu une réelle différence. C'est vrai que là-dessus, je suis pas très calée là-dessus. Moi, je me suis mis en créateur, je crois. Attendez, je vais vous dire parce que c'est écrit, ça doit être écrit quelque part. Moi, je me suis mis en entrepreneur, donc oui, je suis en pro. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais comme je me suis dit qu'on était pour Yonic, je me suis mis en pro. Après, ça, je ne sais pas si... Je sais pas, il doit y avoir des changements, mais après, là, comme ça, vous dire comme ça, je ne sais pas. Je pense peut-être qu'on doit pouvoir rattacher sa page pro, des choses comme ça. Mais moi, je l'ai rattaché à ma page perso, donc voilà. Alors, ouais, il faut s'amuser avec les filtres, tout à fait. J'essaie de regarder un peu vos messages parce que ça, j'avais pas. Alors, le feed, Manuela, c'est le journal, en fait. C'est ce qu'on voit, c'est ça. C'est l'ensemble de photos, c'est ça, le feed. Et ça s'écrit F2ED. Pour ton info... Ah, bah super, il y a les filles qui, effectivement, ont partagé des applications, donc c'est cool.
C'est cool. Je regarde un peu mon message, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, moi j'ai mis pro, comme ça je vois les statistiques. Effectivement, très bonne remarque de Virginie. La différence que vous avez en pro, c'est que vous voyez les statistiques de votre audience. Donc ça peut être important aussi. Et oui, je mets des vidéos sur Instagram. Alors, en parlant de vidéos, sur Instagram, vous avez un endroit où vous pouvez poster vos vidéos. Et comme je vous disais au tout début de cette formation, les vidéos ont un réel impact sur Instagram. Il ne faut pas que ce soit des vidéos qui durent 10 plombes. Il faut que ce soit des vidéos qui durent, allez, max 3 minutes. Ou donc vous les montez, vos vidéos, vous les faites vous-même. Et là, vous allez pouvoir faire des vidéos. Et moi, je trouve que c'est super sympa. Après, vous avez donc, en fait, vous avez ici, en haut, vous avez tout votre feed. OK. Ensuite, là, quand vous cliquez ici, alors vous ne l'avez peut-être pas, parce que si vous n'avez jamais fait de vidéo, ça n'apparaît pas. Mais quand vous commencerez à mettre des vidéos, cliquez ici. Et là, c'est IGTV, je crois. Instagram TV, en fait. Et IGTV. Et là, vous avez toutes les vidéos que j'ai mises, par exemple, depuis que je suis sur Insta. Alors moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps les vidéos. Mais ça, c'est vraiment cool. Et en plus, on peut les partager dans la story. Et ça, c'est vraiment bien. Franchement, c'est bien. Après, je pense qu'être en pro, ça vous permet d'avoir plus d'outils, par exemple, pour partager les vidéos sur les stories et tout ça. Je pense qu'en perso, du coup, on ne peut pas faire tout ça. Okay? Donc, les vidéos, vous pouvez en mettre sur Instagram et je vous conseille vraiment de le faire. Vous faites des montages vidéo. Alors, moi, j'utilise Viva Vidéo. On me demande beaucoup ce que j'utilise pour faire mes vidéos de make-up. J'utilise Viva Vidéo. Je trouve que c'est l'outil le plus complet et le plus facile pour faire les vidéos. Et je l'ai pris en pro. Alors, ça ne coûte pas très cher. Mais de toute façon, vu comment je l'utilise, c'est assez rentable. Et je trouve que pour moi, c'est la meilleure application de vidéo pour ajouter du texte, pour faire des accélérés, pour faire des ralentis et pour les diminuer parce qu'on peut les rogner et tout ça. Donc, moi, vraiment, je m'éclate avec cet outil et je l'utilise. Il faut vraiment pas hésiter à utiliser plein d'outils et les outils qui vous parlent et qui vous plaisent, vous, parce que peut-être que moi j'adore Viva Vidéo et peut-être que par exemple Delphine ne va pas du tout aimer, Justine ne va pas kiffer du tout. Enfin, il faut tester un peu tout, moi c'est ce que je fais. Et du coup, après, vous trouvez les applications, vous n'allez pas lâcher. Et moi, c'est ce que j'ai fait là depuis 4 ans maintenant que je suis chez Unique. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent aussi. N'hésitez pas à utiliser les boomerangs, ça, beaucoup en story. On va parler des stories, je vais vous faire. Là, je vous fais vraiment un global sur le feed et sur la page principale de votre Insta. Et après, je vais vous parler des stories. Je vais essayer d'être pas trop, parce que ça peut être très long de parler des stories, mais je vais essayer de faire le maximum pour vous donner les bases. Que les stories, c'est hyper important. Voilà. Donc les vidéos sur Instagram TV, c'est hyper intéressant. Ça donne quand même pas mal de visibilité et tout, c'est vraiment bien. Et essayer de faire des vidéos assez sympas et tout, c'est cool. C'est elle. Je dis pas son prénom parce que tiens, elle va encore parler. Elle s'est réveillée, j'ai rien dit. Bref, on est écouté. Donc ça, c'est bon. Alors, comme je disais, il faut être hyper régulière. Donc, ne vous mettez pas la pression à vous dire il faut que je publie tous les jours et tout ça. Non, non, non. Essayez de poster une photo sur votre feed une à deux fois par semaine minimum, c'est important, pour que bah, voilà, il y ait quand même du contenu. Okay? Donc, sur votre thème à vous, sur vos passions. C'est bien de le faire une à deux fois par semaine. Voilà. Après, s'il y a eu, par exemple, il y a des fois où on va partager plus. Par exemple, quand on part en voyage de récompense, là, ça va y aller à gogo. On va partager plein de choses. Donc là, on va faire plus qu'une à deux fois par semaine. Ou quand on a des événements avec notre boîte et tout ça, on partage plus. Mais il faut le faire minimum une à deux fois par semaine. Et puis des fois, il y a des semaines où on n'a rien à partager. Mais essayez d'être au moins régulière et constante là-dessus, c'est hyper important. Voilà, je pense que sur le feed, et je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions par rapport au feed et tout ça, et à votre page principale de Unique, n'hésitez pas. Oui, IGTV, c'est la petite télé en haut à droite. Effectivement, c'est ça, Marion. Exactement ça, c'est la petite télé, c'est tout à fait ça. Et quand vous mettez vos vidéos, vous cliquez dessus et il y a un petit plus et vous pouvez rajouter votre vidéo. Alors, la différence entre le feed et les stories, le feed, ça restera tout le temps. Voilà, tout le temps. C'est du permanent. La story, ça dure 24 heures. Les stories,
c'est vous allez partager des moments de votre vie ou des citations, des choses comme ça, mais ça dure 24 heures, donc ça s'efface. Après, ça tombe dans les archives, mais en tout cas, c'est les gens le voient, c'est 24 heures. Voilà, donc la grosse différence, c'est ça. OK ? Oui, exactement. Le feed, c'est le fil d'actualité. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Ensuite, moi, je partage le même contenu sur Facebook. Oui, oui, ça dépend. Vous pouvez, hein, y a pas de souci. Hein, de toute façon, on n'a pas. Vous pouvez partager le même contenu. Après, moi, c'est vrai que je préfère Instagram maintenant. Mais voilà, il faut essayer de trouver un équilibre entre Instagram et Facebook. Les stories, c'est du papotage. Ouais, c'est ça. Les feeds, ce sont des photos canon travaillées, c'est ça. IGTV, ce n'est pas dispo seulement à partir d'un certain nombre d'abonnés. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est une très bonne question. Il faudrait se renseigner, mais je ne pense pas. Ce serait cool qu'on fasse une vidéo sur comment utiliser Viva Vidéo. Ouais. Oh putain, j'ai plein de vidéos à faire. Ouais, c'est vrai. Quand tu fais des stories, tu peux les enregistrer? Oui. Tu peux les enregistrer. En haut, à droite de ta story, tu as un petit truc téléchargement. Oui, tu peux. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je vois qu'il y a des filles qui répondent, c'est super sympa. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer aux stories, les filles. OK? Donc, les stories. Alors, moi, c'est ce que j'adore sur Instagram, c'est les stories. Je vais essayer de... Voilà. Donc, les stories, comment ça se passe? Comment on fait une story? Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Vous avez, quand vous êtes dans votre page, où vous voyez vos... les gens à laquelle vous êtes abonné. Donc, tous les gens que vous suivez, ben voilà, ils sont là. Et vous avez en haut, à gauche de votre téléphone, vous avez un petit appareil photo. Vous cliquez dessus et là, vous êtes dans les stories. Vous êtes dans les stories. Donc là, il y a plein de choses. Alors là, ce que je vous invite à faire, c'est de tout regarder. Parce que franchement, au début, je vous le dis, quand je me suis lancée dans Instagram, je n'aimais pas du tout Instagram. Je détestais Instagram. Je ne comprenais rien à ce truc. Mais quand je vous dis, je ne panais rien, je comprenais que dalle. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprenais absolument rien à Instagram. Et c'est un pote à moi qui vit aux États-Unis. Et c'est quand je suis partie, bah c'était l'année dernière, hein, c'était ouais, il y a un an et demi. Un an et demi, ouais, c'est ça, il y a un an et demi. Je suis partie aux États-Unis avec Yannick. Et il y a un pote à moi qui vit là-bas et qui m'a dit « Jenny, dans ton business, il faut que tu développes Instagram. » Aux États-Unis, c'est un truc de fou, Instagram. Et que vu que nous, en France, on a un peu de retard, il m'a dit « Prends les devants, développe Instagram. » Et qu'est-ce que j'ai bien fait d'écouter? Et moi, je lui disais « Mais je ne comprends rien à ce truc. Je comprends rien. » Il me dit « Penche-toi-y, il faut que tu travailles là-dessus. » Et donc, je m'y suis penchée. Au début, franchement, je ne prenais pas du tout plaisir parce que je ne comprenais rien. Et moi, quand je ne maîtrise pas, ça m'énerve vite. Vraiment, mais je pense comme beaucoup de personnes. Mais ne baissez pas les bras. Parce que vraiment, c'est quand après, on devient addict d'Instagram. Donc, il faut vous pencher sur la question. Regardez tout, et notamment les stories. Je ne pourrais pas tout vous expliquer sur les stories ce soir, malheureusement. Mais vraiment, 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 il faut utiliser et regarder à fond, parce qu'il y a plein de choses. OK ? Donc, vous avez, quand vous êtes, vous pouvez faire des lives sur Instagram. Ça, c'est super sympa aussi. Vous pouvez faire des lives sur Instagram. Donc là, je fais dans l'ordre. Donc, vous avez en direct. Ensuite, donc ça, c'est tout en bas. Vous passez votre main comme ça et vous avez plein de choses qui défilent. Vous avez créé. Alors ça, je vous le dis, ça dépend des téléphones. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes choses que moi. Peut-être que vous aurez des choses en plus de moi ou en moins que moi. Ça dépend de la mise à jour de votre téléphone. Ça dépend du modèle du téléphone. Et ça dépend de plein de choses. Donc, s'il y a peut-être des choses que vous n'aurez pas et que moi, j'aurai, et vice-versa. OK ? Alors, tu fais beaucoup de ventes, tes parrainages via Insta. Ça commence. Franchement, Jessica, ça fait un an et demi que je travaille beaucoup sur Insta. Et ça commence seulement. Donc, je ne vais pas vous vendre du rêve non plus. C'est comme Facebook, en fait. De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus tu es persévérante, plus tu es constante, plus tu as de la visibilité. Moi, je suis honnête et transparente. Ça demande du travail, mais en tout cas, il y a des retombées. Ouais. Et puis, c'est de la visibilité. Et puis, ça fait pro. Instagram, c'est pro. Moi, depuis 6-8 mois, je suis à fond sur Insta et du coup, je suis addict. Ah, voilà, on se comprend, Justine, on se comprend. Ma petite sœur de 16 ans m'a toujours saoulée pour passer à Insta. Bah ouais, mais elle a raison, ta petite sœur. Tu pourras la remercier. Moi, je travaille plus avec Insta car je touche plus de monde de mon âge. Alors, il faut savoir... Petite info, Instagram, on va cibler, ça va être des gens beaucoup plus jeunes.
Enfin, par rapport à moi, hein, parce que forcément, on n'a pas toutes le même âge. Mais par exemple, moi, j'ai 36 ans. Facebook, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est une généralité que je fais, mais en tout cas, ça se vérifie. Votre audience Facebook sera plus âgée que votre audience Instagram. Ça, il faut le savoir. Mais qui sont nos futures clientes? Qui sont nos futures ambassadrices? On va plutôt s'adresser... Et c'est pour ça qu'il faut développer Instagram, parce que vous allez toucher d'autres âges, d'autres personnes, d'autres envies. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien de faire un 50-50 avec Facebook. Il ne faut pas oublier Facebook. Mais je pense qu'Instagram, effectivement, la cible, c'est beaucoup plus jeune. Donc, ça permet aussi de s'adresser à un autre public que Facebook. Généralement, les gens qui sont sur Instagram, maintenant, c'est, bah, nous, on travaille sur le marketing de réseau, donc on a tous les réseaux possibles. Mais je veux dire, les gens qui sont sur Insta, ils n'ont pas forcément un compte Facebook. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est que vous allez toucher des gens que vous n'allez pas forcément toucher sur Facebook parce qu'ils n'ont pas Facebook. Vous gardez ça bien en tête. Les stories sur Insta, j'adore. Vous voyez, les stories sur Insta, c'est trop bien. Et oui, c'est vrai. Tu fais bien plus jeune, c'est vrai. Oh, bah, c'est gentil, hein. Ça, c'est sympa. C'est des filtres. Mais j'ai pas de filtre, là. Les gens sont moins chiants sur Insta. Bah ouais, peut-être. Effectivement. Je retourne à mes stories. Donc, en bas, voilà, vous cliquez, vous, voilà. Donc, s'il y a des choses que je dis et que vous voyez pas, c'est pas de votre faute, c'est que votre téléphone, c'est pas la même, même. Moi, j'ai un Samsung Galaxy Note 10 Plus. J'y suis arrivée. Donc, voilà. Mais, donc, si vous avez ce genre de téléphone, on sera sûrement pareil. Donc, ensuite, vous avez créé. Et là, créer, c'est trop bien parce qu'on peut faire plein de trucs. Vous pouvez écrire. Donc, vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des gifs maintenant. Donc, vous tapez ce que vous voulez comme gif. Vous pouvez... Ah bah là, du coup, c'est les gens... C'est Amandine Cosmétique qui m'a taguée sur la vidéo de formation. Je fais une gueule, Amandine. Tu aurais pu choisir un autre... Je fais une gueule, on dirait que je suis dépassée. La petite blague. Et là, je vois toutes les personnes qui m'ont taguée, en fait. Vous voyez, je clique dessus et je vois toutes les personnes. Donc, je vais pouvoir les repartager dans ma story. Et je le ferai quand j'aurai terminé, avec grand plaisir. C'est bien aussi, ça partage des comptes et tout, c'est super bien Insta, parce que bah, on est dans le partage avec Insta aussi, c'est ça qui est cool. Là, c'est donc il y a ce jour-là, donc c'est les souvenirs comme Facebook. Bah, vous voyez, l'année dernière, j'étais devant Netflix. Hein. J'étais devant Netflix l'année dernière. Vous pouvez poser des questions. Alors ça, les filles, utilisez un maximum. C'est trop bien. Les sondages. Les sondages, ça va vous permettre de connaître mieux votre communauté, ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de savoir de vous. Mais ça peut être des trucs, mais ça peut être tout, et tout. Tout en respectant vos passions, ce que vous aimez, ce que vous êtes. N'oubliez jamais ça. Quand vous postez votre photo, dites-vous toujours, est-ce que cette question a un intérêt? Est-ce que ça correspond bien à ce que je veux ressortir? Ok? Si vous parlez de, je sais pas, est-ce que vous aimez les lasagnes et vous avez jamais parlé de cuisine et tout ça, enfin, vous pouvez, il n'y a aucun intérêt. Après, voilà, posez, quand vous mettez, par exemple, votre make-up du jour en photo, vous rajoutez un sondage, est-ce que vous aimez, est-ce que vous voulez voir une vidéo, est-ce que, ça va vous aider, en plus, ça va vous donner des idées pour du contenu. Donc, n'hésitez pas, les questions, c'est super bien. Et les gens peuvent vous poser des questions aussi. Vous pouvez, moi, j'aime bien, alors ça, celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'aime bien le faire. Bah, par exemple, un soir, vous êtes avec votre chérie ou vos enfants, vous êtes posé devant un film. Vous pouvez faire une petite story avec votre photo, avec vos enfants, ou votre chérie ou toute seule, hein, comme moi. vous mettez, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Les gens, ils sont curieux, ils ont envie d'en savoir plus sur vous. Alors, vous allez avoir tout et n'importe quoi comme question. Je vous le confirme. Vous n'êtes pas obligé de répondre parce que les gens ne voient pas les questions, mais c'est super sympa, ça crée une interaction, les gens ils ont envie de vous connaître, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez les comptes à rebours. Donc les comptes à rebours, et ben, par exemple, moi j'ai mis le compte à rebours pour le voyage de récompense, et du coup, quand je le mettrai en route, ça va faire un feu d'artifice et tout, moi j'adore, enfin, c'est trop bien. Il faut utiliser, et à force d'utiliser, et ben, vous allez voir que enfin, c'est super bien Insta, quoi. Franchement, c'est super bien. Ils devraient m'embaucher, je pense. Parce que, putain, je leur fais une pub de ouf. Et après, voilà, vous avez des quiz. Enfin, il y a plein de trucs. Franchement, ça, c'est que d'en créer, OK, tout ce que je vous ai dit. Ensuite, vous avez normal. Alors là, normal, c'est pas compliqué. C'est pour faire des photos en selfie. Vous pouvez retourner votre caméra. Vous pouvez, voilà, vous pouvez faire des photos directement d'Instagram.
Ok, donc ça, il n'y a pas de souci, la qualité est pas mal. Et vous allez retrouver des petits, comme Snapchat, ok? Là, vous allez trouver des oreilles, des grosses bouches, vous allez trouver, il y a des jeux maintenant sur Instagram. Ça, c'est super, super sympa. Avec les filles de mon équipe, on le fait aussi. Je vois pas mal de stories là-dessus qui passent. Vous allez pouvoir faire des... Par exemple, là, il y a... Vous cliquez sur ça, c'est le truc de Disney. Donc, vous mettez votre tête et vous appuyez. Ça vous fait une vidéo et ça choisit quel personnage de Disney vous êtes. Il y avait le truc avec les sourcils aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Il faut que vous essayiez tout et vous allez voir, c'est trop rigolo. Et puis, ça vous fait, voilà, ça vous fait du contenu. C'est assez sympa. Sinon, il y a des filtres beauté, des filtres avec des fossiles. Enfin, il y a tout. Et franchement, il y a tout et n'importe quoi. Des filtres Hello Kitty, il y a plein de trucs. OK ? Donc, ça, c'est dans normal. Ensuite, vous avez le boomerang. Alors là, le boomerang, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore le boomerang et je trouve que c'est super sympa. Surtout dans notre activité, n'hésitez pas à faire des boomerangs avec vos cils, avec le mascara, avec votre rouge à lèvres, les bouches. Par exemple, avec l'encre à lèvres, vous pouvez faire des boomerangs comme quoi ça ne laisse pas de trace sur les verres. Enfin, il y a plein de choses à partager, plein de trucs à partager, des mouvements. Mais le boomerang, c'est super bien. Parce que c'est une image animée et c'est rapide. Et ça, les gens, ils adorent. Le boomerang, c'est top. Moi, pour mes stories, je n'ai pas la musique et je ne comprends pas. Alors oui, Justine, je sais. J'en ai longuement parlé avec Audrey, ma marraine. Effectivement, il y en a qui n'ont pas la musique sur Insta. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit venir d'un modèle de téléphone et tout. Je ne sais pas. Franchement, c'est un mystère. Le boomerang, c'est trop bien, ouais. Ouais, les mises à jour ne sont pas effectives pour tout le monde. Et tu montes ton make-up dans forcément en parler. Les gens sont... Voilà, exactement. Plus tu montes, plus vous montrez votre maquillage... et vous expliquer ce que vous avez utilisé et tout ça. Et plus les gens vont vous poser aussi des questions. Hein. Donc, voilà. Mon Insta se met en anglais et là, c'est le drame. Oh, merde ! Ouais, alors là, ma petite Fiona, je ne peux pas t'aider. Hein. C'est, ouais, y a des bugs, hein. C'est comme Facebook, c'est partout pareil. Ouais, bah, c'est exactement ça, Morgane. Effectivement, les mises à jour, il faudrait qu'on leur écrive un courrier, je ne sais pas. Effectivement, des fois, il y a des trucs qui disparaissent. Pourquoi moi ? Vous ne prenez pas la tête. Utilisez ce qu'il y a actuellement dans votre téléphone. On ne manque pas de choses sur Instagram. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans les stories. Alors moi, j'ose même pas vous montrer, du coup, si ça se trouve, vous ne l'avez pas et je n'ai pas envie de vous foutre la mort. Mais moi, j'ai un nouveau truc qui est apparu sur mon Insta dans les stories, après le boomerang, qui s'appelle composition. Et en fait, je peux... Donc je sélectionne plusieurs photos et en fait, ça me fait un patchwork de photos. C'est un truc qui est apparu là il y a une semaine sur mes stories. Donc, je l'ai utilisé et c'est plutôt bien. Alors, après, vous pouvez le faire sur un autre logiciel. On n'est pas obligé de le faire via les stories, mais du coup, ça fait gagner du temps. Je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, c'est un truc qui s'appelle composition. Et puis, du coup, vous pouvez rajouter plein de photos et tout ça. C'est plutôt cool. Après, vous avez les super zooms. Ça, c'est bien aussi, les super zooms. Vous faites une vidéo et vous voulez zoomer sur quelque chose. Par exemple, vous avez fait un repas et vous voulez zoomer sur votre repas. Et vous pouvez rajouter, il y a plein de trucs, c'est rigolo. Enfin, ça, faut utiliser aussi, c'est sympa. Et main libre, ben là, c'est pour faire vos stories et que vous appuyez dessus, ça lance la vidéo, vous n'êtes pas obligé de rester appuyé dessus. Donc, main libre, c'est top. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup pour faire mes stories sur Insta. Pour celles qui me suivent, elles savent. Et ben, du coup, moi, j'ai mon porte-machin, je me mets en selfie, j'appuie sur main libre et je fais mes stories. Et là, vient le moment important, c'est que quand vous faites une story en main libre, par exemple, moi, quand je fais mon maquillage, je me fais une petite story derrière ou je fais une petite story rapide. Il ne faut pas que ça dure 10 ans parce que si vous faites des stories de 10 minutes, ce n'est même pas la peine. Vous allez les perdre. Le but, de toute façon, je crois que c'est combien de temps ? C'est même, ça doit être une minute, je crois. Enfin, une story, une diapo, ça doit être une minute. Je ne sais plus. Ouais, c'est une minute, je crois, une diapo. Après, ça se coupe, vous êtes obligé de refaire. Donc, vous voyez, Insta, il faut garder en tête que c'est du contenu court. Donc, il faut être simple et efficace. Au début, que je me suis lancée sur Insta, je parlais, le truc, il coupait, il me cassait les bonbons. Je dis, mais il ne va pas me laisser parler. Mais en fait, je ne comprenais pas le truc. Donc, ne faites pas comme moi, ne parlez pas pendant des minutes, ça ne sert à rien du tout. Et puis après, à force, ben, on va à l'essentiel. J'ai utilisé le eyeliner pailleté, j'ai utilisé le spurge, le machin. Et en fait, c'est super bien parce qu'à regarder, ben, c'est super sympa pour les gens qui regardent. Parce que je vous jure que des fois, je regarde des gens, des stories, ils me fatiguent. Ils parlent pendant 10 minutes. La nana, c'est 10 minutes de story. Quoi. En plus, c'est trop chiant à faire. Alors franchement, essayez de faire une, deux minutes grand max.
Donc, le main libre, moi, c'est ce que j'utilise le plus pour faire mes petites vidéos. J'explique ce que j'ai appliqué. Et là, n'hésitez pas à personnaliser. Donc, c'est-à-dire que quand votre story, elle est faite, en fait, elle apparaît. Vous ne faites pas partager tout de suite. Vous allez dans l'onglet. Alors, attendez, je vais le faire. Tac, pour vous montrer. Vous allez, j'enlève le son. Donc là, par exemple, ma story est faite. Bon, là, je parle, machin. Et là, tout en haut, attendez, vous voyez, tout en haut, vous avez des choses que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter des filtres. Vous pouvez rajouter de la musique si vous l'avez. Vous pouvez l'enregistrer avec la petite flèche du bas. Vous pouvez rajouter des autocollants. Et ça, c'est hyper important de les utiliser. OK ? Important. Mettez le lieu où vous êtes. Mettez un hashtag. Mettez l'heure, par exemple. Pas à chaque story, hein, mais utilisez le maximum les outils qui sont donnés par Instagram, parce que plus vous allez les donner, et plus ils vont voir que vous faites, que vous travaillez avec Instagram, et plus ça va vous donner de la visibilité. C'est hyper important. Si ces outils sont là, c'est pas pour rien. Il faut les utiliser. Il y en a plein. On peut mettre les degrés extérieurs. On peut mettre un compte à rebours. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Un quiz. Vous pouvez le faire aussi d'ici. Vous pouvez même rajouter une autre photo. La musique, des stickers, il y a plein de trucs. Vous pouvez même faire des dons, enfin en tout cas lancer un appel aux dons. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et n'hésitez pas à mentionner, par exemple, je sais pas moi, vous avez acheté un nouvel aspirateur Dyson. Vous allez faire une story, ouais, trop bien, trop chouette. Vous faites un boomerang avec l'aspirateur et tout. Et bien, n'hésitez pas à mettre hashtag Dyson sur la story. Et après, vous @Dyson, pardon. Pour la mentionner, et vous mettez hashtag aspirateur. Enfin, voilà, c'est pour vous donner des exemples. N'hésitez pas à utiliser ces outils, c'est hyper important pour les stories. Et ensuite, quand votre story est terminée, que vous avez bien fait votre truc et tout machin, que c'est hyper propre, vous cliquez ici et ça la partage dans votre story. Et si votre compte Facebook est rattaché à votre compte Instagram, et ça c'est dans les paramètres, vous allez dans paramètres, vous pouvez rattacher votre compte Facebook à votre compte Instagram, ça partage votre story d'Instagram sur Facebook. Et ça, c'est top. Parce que je ne vous raconte pas le temps qu'on gagne. Donc moi, c'est-à-dire que toutes mes stories d'Instagram, elles sont partagées sur mes stories de Facebook. Mais il faut que votre compte soit rattaché. Donc ça, vous le faites dans les paramètres. Ce n'est pas compliqué. Et puis, si vous ne savez pas comment faire, vous le tapez sur Google, mais c'est très simple. Vous allez dans paramètres de votre page Instagram et vous pouvez rattacher soit votre page perso, soit votre page pro. Vous pouvez aussi votre page pro. Et du coup, mais si vous rattachez à votre page pro, les stories tomberont sur votre page pro. Ok ? Moi, j'ai mis mon perso, comme ça, mes stories tombent sur ma page profil perso. Je travaille plus sur mon profil perso avec Facebook. Ça, c'est libre à chacun. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok ? Donc là, je pense que je suis arrivée au bout des stories. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc, il faut savoir que les stories, c'est 24 heures. OK ? Ça dure 24 heures. Au bout de 24 heures, elles s'envolent. Moi, je les retrouve dans les archives. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai un compte pro. Mais après, vous pouvez retourner dans les archives. C'est sur votre profil aussi. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, je suis sur mon profil à moi. Et en haut à droite, vous avez trois petits traits. N'hésitez pas à aller voir. Et là, vous avez archives. Et moi, j'ai toutes les archives de toutes mes stories. Toutes mes archives de toutes les stories que j'ai faites. Tout. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez les repartager. Par exemple, là, il y a 4 jours, j'avais fait une vidéo sur le nouveau kit. Et du coup, hier soir, j'ai repartagé la vidéo. Voilà. Ça m'évite aussi. N'hésitez pas à utiliser les contenus que vous avez déjà utilisés, hein, en story, hein, parce que du coup, c'est 24 heures, donc tout le monde n'a pas vu. Donc, n'hésitez pas à repartager, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, c'est trop bien parce que ça évite de perdre du temps, exactement. C'est mieux, oui, il y a les feeds. Et on évite les feeds. Ouais, il faut mieux, effectivement, les filtres sur Instagram, vous pouvez. Hein, franchement, après, il ne faut pas que ça dénature, c'est sûr que vous avez mis du rose sur les yeux et que ça s'est transformé en bleu. Bon, là, il faut éviter, on est d'accord. Mais en tout cas, il faut garder en tête que Instagram, ce que les gens voient tout de suite quand ils se connectent à votre compte Instagram, c'est votre identité visuelle, l'environnement et tout ça. Donc, c'est bien d'utiliser des filtres. Okay ?
Si les stories, alors attends, tu peux ensuite les mettre dans des stories fixes qui restent. Oui, effectivement. Alors là, après, moi, je voulais pas rentrer trop dans les détails, Morgane, pour pas vous perdre. J'espère que je vous ai pas perdu. J'espère que j'explique correctement parce que c'est pas évident, vraiment. Donc, j'espère que tout va bien pour vous, que vous arrivez à suivre, que vous n'êtes pas trop perdu. Mais comme dit Morgane, effectivement, vous pouvez mettre des stories en fixe. Bon, j'avais pas prévu de vous en parler, mais bon, on peut en parler. Je vais essayer de faire rapidement. Entre votre bio et votre feed, vous avez un espace ici avec un plus. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez retomber sur toutes les stories que vous avez faites depuis que vous êtes que vous faites des stories. Donc, si vous n'avez jamais fait de story, forcément, il n'y a rien. Hein, vous inquiétez pas. Et là, vous allez pouvoir sélectionner des vignettes que vous voulez et vous créer un album. Par exemple, moi, j'ai mis fashion, j'ai mis make-up, j'ai mis convention européenne quand on était à Londres. Et du coup, vous sélectionnez. Et du coup, bah, comme ça, les gens, quand ils cliquent sur, par exemple, convention européenne, tac, et bah, toute ma story, vous voyez, de ma convention européenne quand je suis partie à Londres, et bah, elle est dans ce dossier. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Puis même nous, enfin, moi, j'aime bien regarder, je suis nostalgique. Et c'est super bien parce que du coup, bah voilà, ils voient. Mais voilà, et il faut que ce soit, vous pouvez même changer la vignette, comment, personnaliser, c'est très important. Donc moi, j'ai mis du rose parce que forcément, vous me connaissez, j'adore le rose. Mais vous pouvez, vous faites votre vignette sur un autre outil. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, les filles, pour ne pas être trop perdues, c'est vraiment d'être curieuse et de tout fouiller dans Instagram. Et puis, vous allez comprendre de vous-même, vous verrez, c'est hyper simple. Ah, bah ça va, explication au top, je suis rassurée. Oui, moi je suis extra nulle en Insta et là franchement je suis. Oh bah, je suis contente. Après, je pense qu'il faut pratiquer. C'est exactement ce que je viens de dire. Il faut pratiquer, c'est comme tout. Hein? On refait un point le mois prochain, si vous voulez. Comment tu fais pour mettre, quand tu mets ta position dans tes stories, qu'il y ait ton site ou ta page pro? Alors, attention, vous ne pouvez pas rajouter. Alors ça, pour le coup, ça va s'adresser aux personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés. Quand on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, on pourra rajouter le lien de notre site. Mais alors moi, je n'en suis encore pas là. Hein, attention, je ne suis pas VIP. Mais on ne peut pas, nous. On ne peut pas rajouter de lien. On ne peut pas. Il faut avoir des gros comptes pour ajouter des liens de sites internet directement en store. Donc moi, ce que je fais, bah, je l'écris et je le colle. Et voilà. Mais tu peux pas, tu sais, tu peux pas cliquer dessus. Là, c'est les gros comptes, quoi. On n'est pas encore dans les grands comptes. Oui, j'ai grave du mal avec Insta, il va falloir que je me mette à fond. Ouais, franchement, Jennifer, je te conseille vraiment, puis c'est cool. Tu expliques super bien. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup, c'est gentil. Combien tu prends pour les formations perso? Oh, bah non, mais voilà, j'espère que du moins ça vous a, voilà, aidé, vraiment. Mais moi, mes petits conseils, vraiment. Par rapport à Instagram, ne vous, enfin, le but, c'est que vous ayez une meilleure visibilité et de toucher un autre public et de vous trouver vous-même dans votre identité et de faire les choses et de façon de ce que vous aimez en fait. Partagez ce que vous aimez. Ok? Il ne faut pas que ce soit Instagram, c'est un réseau social où on partage notre passion et ce qu'on aime. Il faut que ça se ressente. Parce que si vous partagez des choses que vous n'avez pas d'atout crochu avec, ça va se ressentir et il n'y aura pas d'impact. Surtout dans les stories, vraiment. Donc, c'est hyper important de partager ce que vous aimez et ne vous forcez jamais. Si vous n'avez pas envie de faire de story, n'en faites pas. Sachez que forcément, comme Facebook, il y a beaucoup plus d'impact quand ils nous voient, les gens. Quand ils nous voient, quand on leur parle, parce que voilà, ils aiment bien nous voir parler. C'est comme les lives avec Facebook, finalement. OK? Mais après, ça peut être pour les personnes qui ont peur de faire des lives et tout ça, parce qu'il y a peut-être des nouvelles qui sont là. Bah, peut-être c'est bien de commencer sur les stories. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous, les nouvelles, du moins, ou les personnes qui ne sont pas à l'aise en live, de commencer dans les stories. Parce que bah, c'est plutôt cool, ça dure 24 heures, donc vous savez que voilà, ça ne va pas rester en permanence, ça vous enlève une pression. Et puis c'est court, donc vous allez à l'essentiel. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas qui sont pas à l'aise. Oh, merci beaucoup, vous êtes trop mignonne. Bon, bah, c'est cool. Si je vous ai donné envie, c'est cool. Je fais des lives de 1 heure à 1 heure et demie sur Facebook. Tu peux faire la même sur Insta, mais bien sûr, Vanessa. Oui. Tu peux faire des lives sur Instagram, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ma story Insta ne se met pas sur Facebook.
Ouh, alors il faudrait peut-être que tu refasses tes paramètres. Là, vraiment, je ne peux pas vous aider là-dessus, je suis désolée. Des fois, tu sais, c'est peut-être réinitialiser le truc, peut-être, je ne sais pas vraiment. Je suis désolée, je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Tu fais comment les petits dossiers? Bah, comme j'ai dit, Carole, les petits dossiers, tu cliques sur le plus entre ta bio et ton feed, il y a un plus, et tu peux faire des albums, comme les albums photos sur Facebook, sauf que là, c'est que les stories. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des stories, les filles. Vous aurez du contenu à mettre dans vos albums permanents. OK? Et si vous n'avez pas de story, vous ne pouvez pas. Donc, mais vous, tu verras, Carole, il faut que tu regardes. Sois curieuse, regarde, tu vas comprendre. C'est vrai que comme ça, c'est compliqué. Puis j'aurais tellement aimé vous faire une formation avec l'écran partagé de l'Insta. Mais en fait, j'ai regardé sur mon PC, Insta, je ne peux pas vous montrer les stories. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est les stories. Mais n'hésitez pas à regarder formation, Insta, story. Vous allez tomber sur d'autres personnes, même qui ne sont pas forcément uniques. Mais il y a beaucoup de contenu hyper intéressant. Moi, franchement, je suis en autodidacte. Je l'ai fait. J'ai trouvé plein de petites pépites. Donc vraiment, soyez curieuses les filles, vraiment, regardez. Je regarde vos trucs, je pense que... Oui, les liens, on ne peut pas partager parce qu'on n'a pas assez d'abonnés encore. Mais ça viendra, ça peut être un objectif. Sur le bateau, je te kidnappe une journée formation Insta. Et oh, sur le bateau, moi, je bois des mojitos. D'ailleurs, j'espère vraiment... on va partager un maximum forcément pour le voyage de récompense et tout ça. Mais voilà, il faut partager tout ce que vous pouvez partager. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ce soir, j'ai fait un montage. Attends, je regarde ce que j'ai vu. J'ai fait un montage de fou sur l'ordi et j'ai placé devant le téléphone pour live Instagram. MyGiver. Mais oui, on est des MyGiver, hein, des réseaux sociaux en fait. Hein. C'est un peu ça. Exactement ça. Alors, pour attacher ton compte Facebook pour tes stories Insta, tu fais envoyer un. Ah bah nickel. Merci pour l'astuce Virginie, c'est cool. Alors, moi, comme lumière, j'utilise un miroir LED que j'avais acheté sur Amazon. Vous savez, c'est un miroir, une coiffeuse là, avec des LED. Voilà. Mais sinon, vous pouvez utiliser. Oui, la lumière est très importante, effectivement, pour les photos. Ouais, très important. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur la conversation. Mais je ne veux pas trop non plus en dire trop pour que, voilà, que ça soit pas, que vous ayez la tête remplie, remplie. Je pense que j'ai été à l'essentiel. Mais n'oubliez pas des photos de bonne qualité, de rester cohérent, de faire des choses avec passion, de transmettre ce que vous aimez, d'être fidèle à vous-même. N'hésitez pas à vous inspirer des autres comptes Instagram. C'est hyper intéressant. Ça donne des idées. Et ce n'est pas parce qu'on trouve une idée géniale, c'est pas, si vous la faites à votre sauce, ce n'est pas copier, c'est vous inspirer. Vous pouvez le faire. Bien sûr, il ne faut pas reprendre la même photo de la nana et voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais vous pouvez vous inspirer, bien évidemment. On le fait toutes, hein, ne faut pas se mentir. Hein. On se fait toutes, on le fait toutes, on s'inspire ailleurs aussi. Et voilà. L'important, c'est d'être authentique, spontané, c'est hyper important. Votre biographie, qu'elle soit bien claire, bien précise, que ça donne envie. Votre belle photo de profil, vous me faites la plus belle photo qui est possible. Voilà, et voilà, je pense que c'est ça. N'hésitez pas à faire des vidéos courtes que vous publiez sur votre feed, que vous pouvez publier aussi sur les stories. Voilà, il faut bien différencier les stories et votre feed. Et il faut travailler de façon voilà, régulière et constante sur les deux. Mais c'est deux choses différentes. Forcément, la story, c'est plus rapide, c'est de l'instantané, on ne réfléchit pas. En fait, il ne faut pas réfléchir avec les stories Instagram. Si vous réfléchissez, vous ne le ferez jamais. Ce qu'aiment les gens sur les stories Instagram, c'est justement l'instantané et tout ça. Si vous faites une story et qu'il y a votre gamin qui vous crache dessus derrière, on s'en fout, c'est votre vie de maman de toute façon, c'est ça. C'est ça que les gens, ils aiment en fait. Et vous mettez hashtag mumlife, ma vie de maman, quoi. C'est ça que les gens, ils aiment en fait. C'est vous, votre quotidien, vous partagez. Si vous avez une série Netflix que vous adorez, et ben vous partagez. Enfin voilà, ne vous éparpillez pas, choisissez trois thèmes principaux, choisissez vos filtres et restez cohérente. Utilisez les hashtags, utilisez la position, utilisez plein de mots-clés. Et vous verrez que déjà, vous allez avoir, ça va avancer, mais ça met du temps. Je ne vous le cache pas, ça met du temps. Franchement, ça met du temps. Mais en tout cas, ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Merci beaucoup, Jenny. Vous butez l'enfant. Ouais, on va éviter en story. Malgré que des fois, on a envie de débuter. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec grand plaisir.
Oui, j'ai enregistré cette vidéo. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à partager. Donc, oui, dès que je la mettrai, je donnerai le lien à vos Black Statues et vous pourrez revoir cette formation et même la partager à des personnes, par exemple, qui n'ont pas pu être là. Et comme ça, vous pourrez la revoir. Bon, ben, c'est cool. C'est cool. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous retiens pas plus longtemps. En tout cas, je vous remercie parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Merci de tout cœur et je vous souhaite de vous éclater avec Instagram et puis j'attends vos retours pour celles que je verrai soit aux Bahamas, soit à Nantes ou enfin voilà, on se verra bientôt. Bisous à toutes. Bonne soirée, merci à toutes. Bisous.